There's a fire, but no fight regained. Help our souls tonight, we are losing this fight. Oh, help our souls tonight. Yo les gars, c'est Jérém Jim. Alors oui, normalement, ben c'est du Illico, Presto, Macias, tout ce que tu veux, grâce à Kundris, qui a déjà le nouveau héros avec cette mise à jour qui vient déjà de sortir chez nous sur les serveurs Android FR. Voilà. Oh, il a fait... Voilà, dès que j'ai feu sacré, là, il va partir sur lui aussi, là, sans déconner, pour avoir un Ubis qui résiste bien. Tu l'as bien monté aussi, toi, celui-là. Oh, mais avec toutes les ressources que t'as, c'est pété. C'est totalement pété. Alors, du coup, on a Gredin Bagarreur. Ok, donc j'aurais pas su traduire ça en version taille la dernière fois. Ok, Gredin Bagarreur. Hop là, même la petite... Même s'il a sûrement des écussons sur le côté. Feu sacré 5 en écussons. Augmente le PV max de 26%. Réduit les dégâts reçus de 20. Ouh. Apparemment, il a fait pas mal de tests. Et c'est ce qu'il y a de mieux dessus. Bon, par contre, en talent... Il hésite encore avec un conquête sacré, feu sacré, bah, conquête, ce serait conquête. Voilà, oui, il se rapproche un peu mon micro, là, je vois qu'il était loin, il était parti, ok. Conquête sacrée, ça serait pas mal. Là, il a régénéré en attendant, mais ça reste super correct. Alors, du coup, le capitaine Lance-Pierre inflige pétrifié en zone aux cibles ennemies proches pendant 2 secondes et inflige 680% de dégâts d'attaque. Temps de récupération, 4 secondes, donc il n'y a que 2 secondes de laps de temps, donc c'est pas si mal, si je dis pas n'importe. Ouais, parce que quand il déclenche son sort, la récup commence à ce moment-là. Possède une récupération d'énergie rapide, lorsqu'il est attaqué, le capitaine Lance-Pierre a 40% de chance d'invoquer les gredins boucliers, ou gredins de lame. Ah ouais, c'est soit l'un ou l'autre. Ah ah, ça j'avais mal compris. Pendant 8 secondes. Et temps de récupération 8 secondes, donc ben ça s'arrête pas en fait. Dès qu'il se fait attaquer, il y a un petit bonhomme qui va sortir. Lorsque le gredin bouclier est invoqué, le capitaine Lance-Pierre renvoie 80% de tous les dégâts subis. Oh là là, pendant 5 secondes, c'est énorme, hein, renvoyer 80% des dégâts. Oh, mais tu te fais attaquer par un lava, c'est, ben, il va se faire calmer direct. Hein, chasseuse, bon, peut-être pas, parce que du coup, elle a une limitation de dégâts. Mais les autres héros... je sais pas, un Ubis qui tire dessus, un squelettique, hein, un voilà aussi... Aïe aïe aïe, il va se récupérer 80% de ce qu'il a balancé, ça va faire mal. Et restaure des PV équivalent à 1600% de l'attaque. Pouf. Lorsque le gredin lame est invoqué, lui, l'attaque de capitaine Lance-Pierre est augmentée de 100% pendant 6 secondes. Ouf. C'est beaucoup, hein, niveau statistique quand même. C'est quand même beaucoup. Alors niveau vie, déjà de base, 264 000, c'est pas mal du tout. Azurail un peu plus, bon il est... Il reste dans une bonne gamme, quoi. 264 000, c'est pas non plus cheaté. Mais sachant que... Là, en plus, il a le talent régénéré, donc il va regagner encore plus vite son énergie. Surtout, être soigné encore plus efficacement. Je sais pas si ça se dit, mais soigné plus... Ouais, il va être mieux soigné, quoi. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Ok. Donc, on va aller tester ça. Et d'après Kenris qui a testé, avec un healer, c'est encore mieux derrière. C'est encore mieux. Alors du coup, il a pas... Si, il l'a mis sur sa base. Est-ce qu'on a un voilà sur la base? Oui, avec feu sacré aussi. Ah, c'est vrai qu'au moins, il résiste aussi, là. C'est pas vilain du tout. Alors, on va tester ça directement. Allez, sur un donjon. On va commencer par lesquels, celui-là. Je sais pas s'il est tout petit, celui-là. Bon, au moins, voir l'effet. Voilà. Comme ça, on verra à peu près à quoi le héros ressemble aussi. Ah ouais, direct, il a balancé son petit gredin. Mais là, il y a les deux. Ah non, dans tous les cas, il y a les deux. Ça, c'est bon, ça. Donc, c'est les deux qui prennent les dégâts devant. Le chef, il reste derrière. Ah ouais, il est pas con, le chef. Le chef, il reste derrière, récupère son bouclier. Bon, là, il est stun, mais... Ah, par contre, ouais, il n'y a pas d'immunité au stun. D'accord. Par contre, niveau vie... Ouh ! Boum ! Boum, j'ai cru que sa vie allait redescendre, mais en fait, il a récupéré toute sa vie. Ah ouais, il récupère vraiment beaucoup de vie, en fait. Oh là là, par contre, quand son attaque elle sort, ça fait mal. C'est pour ça qu'un conquête sacré, ce serait pas mal. Ça rajoute un peu plus de distance. Ah oui, il a un lance-pierre, donc il reste derrière. Par contre, du coup, on le voit stun sans arrêt. Un conquête, ça augmenterait l'effet de la distance. Ça augmenterait en même temps ses dégâts, plus sa vie. Ce serait vraiment pas mal. Et là, ça pique, hein. Ouch. Ah ouais, par contre, quand il tape, ça fait tellement mal.
Voilà, vivement qu'il n'y a plus de tour la magique là. Ouch. Allez, pétrifié en même temps. On a vu que le démoniste s'est récupéré 60... 184. Ouh 100. Il y avait eu 1 million là qui est parti sur Orcsban. J'ai pas rêvé. Oh là là, par contre, ça va être chaud. Non, ce n'est pas chaud. Ouh tchou tchou tchou. Il est stylé le sort. Il est trop stylé. À niveau. Ah ouais, c'est vraiment pas mal ça. Hein. Bon, c'est un peu long, ça n'a pas l'air cheaté, mais c'est pas mal. Il n'y a pas beaucoup de héros qui résistent en solo hein, dans ce donjon-là. Alors, niveau des dégâts, vous êtes pris 236 000. Ok. Là, il y a du dégât. Ouch, il y a du 500 000 qui est parti. Oh, au niveau des dégâts, c'est plutôt dévié, mais là, le destructeur a été fort. On va le réanimer. On va partir sur un donjon plus fort avec le Walla. Oh. Je pense que ces deux-là vont être tellement monstrueux à deux là. Oui, pour le réanimer là. Où est-ce qu'il est le mort? Ici. On voit plus rien. Il y a des troupes dans tous les sens. On ne voit plus rien. Hop, on va partir sur un donjon un peu plus fort. Mais après, ouais, ce qui est embêtant, c'est qu'il ouais, il n'est pas immunisé au stun, quoi. Hein. Hop. Voilà derrière. Et là, bah, là, ça va être un carton plein là. Par contre, il y a Atlanticor là. C'est pas spécialement. Ouch. Allez. Ouais, je pense que pouvoir augmenter ses dégâts, ce serait pas mal. À l'Atlanticor, par contre, là, il a déclenché. C'est pas bon pour personne là. Ouais, non, non, là, ça va pas le faire. On est parti du mauvais côté là. Hein. On reteste. Il n'y a pas. Partir avec une équipe entière serait pas mal avec lui. Hein. On va tester ici. Mais ça fait n'importe quoi. C'est. Olé, olé. Ok. Plus un healer. Voilà, c'est vrai que son voilà est très fort aussi. Ah là, il est mort direct, il a pas. D'accord, ok. Parce que même le voilà avec feu sacré, là, il a pris cher. Comment on va faire ça? On va essayer d'aller voir un peu au-dessus. Mais après, là, on a dû prendre le mauvais côté. Faudrait pas choper comme ça, quoi. Hop! Hop! Bon, après, là, rien que les tours magiques. Enfin, les tours, elles font très mal aussi. 205 000 de dégâts. On a vu partir 380 000 sur les tours. Il est déjà mort quand même. Les héros là-dedans, ils sont quand même forts hein, quand on les laisse que comme ça. Ouais. Bon, il a l'air fort. Après, faut voir. On va les essayer en raid tous les deux. Hop, bah, par contre, ouais, tous les deux. Est-ce qu'il a fait des arènes aussi pas loin avant? Des arènes, des arènes. Vous avez défié Laurent il y a 2 heures. Est-ce qu'il a mis le nouveau héros? Non. Non, il n'a pas mis le nouveau héros dedans. Moi je me gourre, c'est quoi ça? Si, il l'a mis. Ah oui, il a gagné en plus, tranquille. Est-ce qu'il n'y en avait pas un autre où on a vu un petit peu de combat avec le lance-pierre? Si, il est dedans, parce qu'il est un petit peu derrière là. Je m'en étais pas bien rendu compte. Ah mais c'est vrai que dans des attaques de groupe, au moins il a beaucoup de chances de survie. Ouf, ça fait mal ça. Ça fait mal. Ok. Et là, bah non, là ça a fait le tour, donc c'est pas drôle. Ok, on va essayer un petit peu en raid. Voilà, dans tous les cas, ça va être assez chaud vu qu'il y a. On va faire, je sais pas, Anubis, là, voilà. Ouais bah là par contre ouais dans ce genre de situation c'est compliqué là je vais gâcher tous ces gemmes. Qu'est-ce qu'on peut aller faire d'autre pour tester? Bah les vagues. Oui bah les vagues de toute façon avec les héros qu'il a ça va être assez. C'est délicat. Je pense que ça va être un bon héros de support en GDG. Ça peut être pas mal au niveau de. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ces modes là? Bon, on peut aller le voir là-dessus, on peut le voir là-dessus facilement. Royaume perdu. Bon, je pense que la conquête sacrée, ce serait bien mieux quand même d'augmenter ses dégâts. Augmenter ses dégâts. Oh, on avait fait la chasseuse ouais, dessus. Et puis sa vie en même temps, ce serait pas de refus. Hop, ici. Ok. Allez, on est parti. Bon, ça va être bidon, on va partir dessus sur cette formation-là.
Alors, comment tu t'en sors? Lorsqu'il est attaqué, il sort un petit bonhomme et ils sont déjà... Ouais, en attaque de zone, c'est quand même assez fort. Je crois qu'en forteresse, ça va être assez vilain, ça. Ouh, et voilà, une formation légendaire. Ok. Et là, dégâts de zone pour tout le monde. Ouch. Bon, là, il récupère bien, ça va, il encaisse. Là, quand il va pouvoir déclencher son sort, ça va faire mal, ok. Bon, là, c'est peinard pour lui, hein. Bon, ça reste du royaume perdu, mais... Ouh! Il s'en sort très bien. Ça reste des héros légendaires, hein, niveau 2, là, quand même en face. Un seul héros, c'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout. Bon, là, Barbe Blanche, oui, il a plus de résistance que les autres. Ah, c'est pas si mal, hein. C'est pas si mal. Bon, c'est vrai qu'en solo, il n'y a jamais de situation solo, mais... Je pense que ça peut être un très bon tank. Tank qui fait en même temps des dégâts. Par contre, dégâts de zone, c'est chaud en GDG. Hein. Je pensais à ça. Dégâts de zone, c'est très chaud en GDG. Après, si tu la joues en technique bourrin, pourquoi pas? Parce que là, en bourrin, à mon avis, il a l'air de résister. Mais... Maintenant, on va partir par là. En tout cas, en forteresse, ça va être bon. Ça va faire assez mal, je pense, en forteresse. C'est quand il se fait attaquer, il y a son bouclier, il y a son attaque augmentée, tout ça. Waouh! Ouais, ce proc là, il a fait mal. Hein, d'accord. Il est tombé tout pile à zéro. Ah, ça me paraît pas mal. Hein. Je sais pas si des arènes, il en avait encore. Là, j'ai pas regardé les chances qu'il avait. Ah, mais par contre, moi, j'ai pas d'équipe d'attaque comme il faut. Et puis là, c'est pas non plus enfin, des gros joueurs. Enfin, c'est peut-être des bons joueurs. Mais là, pour lui, ça va être un peu limite. On reteste en donjon? Allez, on va repartir en donjon une dernière fois pour le kiff. Bah, celui-là, lui, solo, ça va être dur, hein, non? Celui-là en solo, ça va être assez dur pour lui. En plus, c'est Atlanticor. C'est Atlanticor hein, qui fait mal dans cette histoire. Bon, peut-être pas solo. Bon, c'est pas non plus un Lavanica, hein, c'est sûr. Oui. Quand ça arrive direct là, ça fait assez mal. Ok. Là, si l'Atlantic. Non, l'Atlanticor, le. Bon, je lui mets sa protection histoire qu'il ait un peu plus de chance quand même de survie. Allez, mais il y a les tours de stun aussi, ça lui fait assez mal. Hein. Il n'est pas immunisé contre l'étourdissement. C'est quoi cette affaire? Tout le monde est immunisé contre l'étourdissement maintenant. Ah là, par contre, Atlanticor qui est pas loin. Oh, il a pas réussi à le one shot, mais il lui a enlevé la moitié de sa vie. Il l'a eu à distance. On est mieux là. Là, on n'est pas vilain. Il l'a eu à distance. Ça a fait très mal de loin. Là, et par contre, il disperse pas d'énergie. Atlanticor qui n'a pas réussi à redéclencher. Stop, stop, stop. Break it down. Il a lancé son proc. Et là, c'est la dèche. On n'était pas loin. Ah, ça peut être efficace. Je pense que dans une. Pour ceux qui doivent faire leur donjon, par contre aussi, et qu'il faut y arriver, hein, au niveau dégâts, ça peut être correct. Hein. Au niveau dégâts de zone, ça peut être pas mal. Voilà, bon, en tout cas, j'espère que ce petit héros vous plaît. Bon, ça n'a pas l'air non plus d'être dans la catégorie Drakkax, mais pas non plus dans la catégorie Lava. Faut pas exagérer, mais c'est pas mal. C'est pas mal. Alors, bon, je. Azura, ouais, il est fort aussi, mais Mahatma a l'air de dégommer en dégâts de zone. Faut voir. Faut voir quand on l'aura 11 aussi, peut-être qu'ils vont rajouter un petit truc en plus, ce serait sympa. Mais voir plutôt du talent de résistance avec lui. Il fait déjà des dégâts suffisamment corrects, donc peut-être qu'un conquête sacrée, ce serait pas mal. Feu sacré serait un peu trop résistant, c'est pas assez dégâts. Conquête sacrée, je pense que ce serait le bon mix. Je pense que ce serait le bon mix et en écusson, ben, on serait entre ouais, les ressuscités, après sinon compenser avec un garde enflammé aussi, ça peut être sympa. C'est qu'on l'oublie encore, mais garde enflammé, ça peut être cool. Ou un des nouveaux talents, la vitalité. Ouais, vitalité, ça peut être stylé aussi, il faut voir. Mais là, je serais plus partant en conquête sacrée quand même, histoire de rajouter comme un rempart, mais on a un peu mieux. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, puis on se dit à très vite et... bon week-end, si jamais j'ai pas le temps de revenir samedi, ça va être tendu, peut-être dimanche soir, voilà, comme la plupart du temps. Allez, tchuss!